tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour toute nouvelle vidéo, pour tout nouveau débrief du match de Marseille, précisément en Ligue 1 contre Nice. Hein. Alors, comme vous savez tous, le match s'est joué à Nice, hein, devant leur public. Hein. Alors, le match dans l'ensemble, il était très serré, hein, que ce soit la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Hein. Il y avait très peu d'action, que ce soit dans les deux côtés, mais en tout cas, dans les deux côtés, on a bien défendu. Eux aussi, ils ont bien défendu. Hein. Et aussi, Nice, ils ont quand même une bonne équipe, donc il faut quand même le souligner. Donc voilà, c'est un petit peu dommage parce qu'il y a quand même une rivalité entre Nice et puis l'OM, comme vous savez tous. Hein. La rivalité du Sud. Donc voilà quoi. Donc la note de match que je donnerai ce soir, c'est 3 étoiles sur 5 parce que j'aurais préféré quand même au moins un match nul ou une victoire de l'Olympique de Marseille, comme tout supporter de l'Olympique de Marseille. Donc voilà. Mais de toute façon, il ne fallait pas s'attendre non plus à une victoire de l'Olympique de Marseille parce que c'était chez eux, comme vous savez tous. Et Nice, en ce moment, ils sont en forme en ce moment. Donc voilà quoi. Mais je suis un petit peu déçu de cette défaite-là parce que là, on se retrouve 7e, peut-être bientôt 8e ou 9e, bien évidemment. Donc voilà quoi. Donc si ça continue comme ça, j'ai peur qu'on se retrouve 4e ou 5e. Hein. Donc voilà. D'autant plus que là, on fait des meilleurs matchs en Coupe d'Europe et en Championnat de France. En ce moment, je ne sais pas ce qui nous arrive. Je crois que ça fait la 4e défaite ou la 5e défaite consécutive. Enfin, pas consécutive, pardon, mais vous m'avez compris. Donc voilà quoi. Je suis un petit peu déçu de ce match-là. En tout cas, la défense de l'OM, bien, on n'a quand même pas d'immérité non plus. Voilà, on a quand même bien défendu, on a bien attaqué aussi. Mais malheureusement, c'est les Niçois qui ont été meilleurs ce soir. Hein. Ils avaient l'avantage parce qu'ils étaient dans leur terrain, bien évidemment. Et en plus de ça, ils n'ont quand même pas trop de mérite plus que nous, parce que bien évidemment, ils ont marqué vraiment la dernière minute de jeu. Dès que leur joueur est rentré, ben, il a marqué. Hein. Bah, tant mieux pour lui. Hein. Donc voilà quoi. Donc j'espère que pour le prochain match que Marseille vont se rattraper, qu'on va faire un meilleur match, parce que là l'autre match on avait gagné 3-0, mais ça restait que les Havres, hein. C'est pas pour être méchant, mais voilà, c'est la vérité. Donc voilà quoi. Donc après, que dire de plus, bah, il n'y a pas grand chose à dire dans ce match-là. Hein. Match un petit peu, on va dire, par moment mou, quoi. Ça c'est mon point de vue, il hein, faut pas m'en vouloir. Hein. Quand Marseille joue bien, je le dis, mais quand Marseille joue moins bien, je le dis. Quand ils disent qu'ils jouent moyen, je le dis. Là, ils ont joué moyen, quoi. C'était un match de toute façon très serré. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match-là, si vous l'avez trouvé bien, mauvais, moyen, très, très bien ou pourri, peu importe. Hein. Vous avez le droit aussi à avoir votre opinion, pardon. Donc voilà quoi. Donc je suis un petit peu déçu quoi et ça m'inquiète un petit peu. Je pense que vous aussi ça vous inquiète aussi. Donc après les prochains matchs, je crois que c'est en Coupe d'Europe, je crois que je sais plus c'est contre qui. Mais de toute façon, c'est pas maintenant la Coupe d'Europe, c'est dans je sais pas combien de temps. Donc voilà. En tout cas, moi j'espère qu'en Coupe d'Europe, on va se qualifier pour les 8e de finale. Pourquoi pas les quarts de finale ou les demi-finales, mais même la finale, pourquoi pas. Donc, parce que moi, j'aimerais bien qu'on fasse un bon parcours en Coupe d'Europe, parce que surtout que le championnat de France, on a perdu énormément de points, ce qui fait qu'on se retrouve quoi 6e, on était à la 5e place, ce qui nous permettait d'avoir une place de plus en Ligue des Champions grâce à la nouvelle format de Ligue des Champions. Donc voilà, donc maintenant j'ai vu que les Pays-Bas nous sont quand même dépassés, donc j'espère qu'après qu'on va faire un meilleur parcours en Coupe d'Europe, parce que là, je vous casse pas que c'est mal bourré. Donc là, ça reste que le championnat de France. Donc on va pas trop non plus recracher dessus non plus. En tout cas moi je vais pas trop le recracher dessus non plus. Mais sinon dans l'ensemble ça va. Le match était quand même c'est vrai très serré. C'était très compliqué. Mais on n'a pas perdu 3-0 parce que je me rappelle il y a une époque on a joué à Nice. On avait perdu je crois 3-1 ou 3-0 je sais plus. Mais là on a perdu que 1-0 et c'était vraiment à la dernière minute de jeu. Donc voilà quoi. Donc là on se retrouve 7e, peut-être bientôt 8e, j'en sais rien, même 9e ou 10e. Donc voilà. De toute façon le championnat vient juste de reprendre donc ce n'est pas fini. Donc voilà quoi. Donc ceci dit, c'était la fin de cette petite vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, à liker, à partager si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis allez l'OM, à la vie, à la mort.